Il faut que je règle un truc vite fait. Maintenant je chat. Alors, serveur c'était Vanilla. Je vais retrouver maintenant. Donc c'était faire quelque chose. Non, pas d'accord. Alors. Je suis là. Rejoins. Il va sortir cette feuille. Qu'est-ce que t'en fais? Alors d'après ce que j'ai compris, on peut recruter du monde, des PNJ du monde, pour défendre la base, mais je ne sais pas encore comment. Après, des fois le chargement est dur un peu quand même. Alors ça c'est pas cool, je respawn, il fait nuit. Oh. Méga lag. C'est là qu'il y avait un feu pourtant. Bon, on m'a détruit mon feu apparemment. Bon.
Ça, c'est pas cool. Ça m'a détruit le feu. Alors, je vais pouvoir refaire ça, mais dedans, cette fois-ci. Alors, pour faire un feu, déjà, il faut quoi? Ah, bah, j'ai ce qu'il faut. Alors on va le mettre où? Je vais le mettre là. Bon, faut aller chercher un peu de bois et puis tuer 2-3 bestioles pour avoir de la bouffe. Ah là là, la pinou! J'ai 2 mois de dire! Il passait où? J'aurais pu peut-être tuer des hyènes quoi. Apparemment, suivant à quoi tu tapes, tu récupères de la viande ou des poisons. Je sens que j'ai des œufs, non? J'ai pas l'œuf. Oh le lapin, j'ai coupé les oreilles. D'accord. On fera un peu de viande. Il va falloir aller chercher de l'eau. Ma gourde commence à être vide. Je dois pouvoir faire quelques plafonds, je pense. Cette fibre pour réparer, j'ai plus de pierre pour réparer. Mmh.
On va chercher de l'eau, de la pierre, tout ça, tout ça. Ouais, donc il y a bien un joueur qui est venu détruire mon feu de camp. Je vois que ça quoi, il n'a pas pu disparaître comme par magie. Je vais pas trouver une faute à l'alligator pour le moment. On va la laisser là où il est. Ah merde, j'ai l'aggro, putain. Ah, il va me suivre jusque là. Ah ouais, pour me lâcher. Finalement. Ah, je suis à l'abri. Il faudrait que je regarde un truc dans les compétences qui me restent à débloquer là. Si je peux pas faire les pics. Il me semble qu'il faut le Carpenter Bench. Ah, il faut tout de charpentier. C'est chier. Bon, mais il va falloir attendre d'avoir des points de compétences supplémentaires. Il est un peu bloqué dans le mur, lui.
Oui Max, ça va bien et toi? Ça fait un moment que je t'ai pas vu, dis donc. Alors, la forme de pêche, la banane, la patate. La pastèque. Ouais, j'allais poser ça, puis après j'allais m'aventurer un peu dans les terres vite fait pour paxer un peu, quoi. Ouais, tuer quelques bestioles, quelques PNJ, ou peut-être même un joueur ou deux si je les croise. Enfin, s'ils sont pas trop au level, mais c'est. Ils sont plus au level que moi, ceux qui vont me défoncer, quoi. Non, je veux qu'il descende l'escalier là, je vais continuer l'autre. C'est vrai qu'il me mette là l'escalier en fait, mais il veut pas. Il va pas vouloir le mettre là. C'est l'endroit où je veux le mettre, il va pas vouloir le monter, quoi. What the fuck? Non, pas plus, ça. Hein. Bon, autant plus le foutre là. Ouais. Pas plus que ça, l'ami. Stocker ça. Le bois, je le fous dans le feu. Merde. Ok. Bon, allez, on va aller fight un peu. Ah! Ah oui, c'était parti à ce moment-là, alors oui, j'ai bien avancé. Ouais.
On va attendre de restaurer un peu les PV là. J'ai vu qu'il y avait d'autres joueurs sur le serveur en me connectant et apparemment soit c'est y en a un qui est venu me défoncer ou alors c'est des hyènes peut-être qui ont pété le feu de camp à l'extérieur. Je sais pas. Soit c'est des hyènes, soit c'est un joueur. Allez, putain, ça remonte pas vite les PV. Lapin, j'ai mis une droite, il est mort. Je crois que si je saute dans l'au-delà, je meurs. Je crois que ça n'a pas l'air très profond la flotte. Hein. Eh ben alors. Eh ben alors. Oh, vous me tapez, hein. Ils sont un peu cons, les bots, quand même. On n'a qu'une vie, donc vas-y. Non. Sont où tes potes? Me suis fait sécher. Ah, il ne manquait pas grand chose pour prendre un level quoi. Chier. Du coup, il va falloir recrafter un lit. Pour crafter un lit, je sais même plus qu'est-ce qu'il faut. Faut du bois, trois fils et ça. Alors, trois fils. Hop. Un peu de ça, on va prendre une quinzaine. Oh non, je vais tout prendre, il faut que je me refasse des freins de toute façon. Et il me faut des petites branches. Wow. Ouf, gros lag.
Ah bah non. C'est chaud. Alors, j'ai pris un level. Donc j'ai 2 points à mettre, on va en mettre un dans la précision. Et ensuite, j'ai combien? J'ai 4 points. Donc là, je peux faire le truc de charpentier. Ah non, en fait, level 10. C'est chier quoi. Cheval 8. Ah mais tu peux débloquer ça. Tu peux me faire un bouclier quoi. Bon, c'est pas ouf non plus quoi. Ah, pour faire une bougie, il faut quoi? Ah ouais, quand même. D'accord. Ok. Pour faire ça, déjà, il faut beaucoup de pierres, il me semble, du pas mal de bois aussi. Et 50 pots. J'ai oublié de poser le lit. Ah ouais, il va falloir faire le niveau des outils, tout ça, tout ça. Il n'y a pas du bois qui traîne là. Ah oui, il n'y a pas de bois. Des nanas. Tout là. Ah c'est vrai que c'est les pierres qui se cassent pas ça. Si on fait un peu de pierre pour faire la hache. La pioche pardon. Non la hache. Du mal.
Ah, c'est bon, j'en ai assez en fait. Alors, il me faut ça. Ensuite, il va me falloir du fil. Putain, quand est-ce qu'il va arrêter de la gueule? C'est quand qu'il faut une vraie mise à jour? Oh, j'ai un copain là. Cassos. Je n'y vois plus rien. J'ai pas trop le fabriquer. Je sais pas où je vais, je sais pas où je suis. J'ai un méga lag. T'as il manque deux branches. Faut combien de branches pour faire une torche? Il en faut 5, sérieux? 5 branches pour faire une torche, quoi. Pas sérieux, ça. Ouais, ouais. Il n'y a pas une branche qui traînerait là. Oh, maison. J'ai retrouvé ma maison. Pas donner du petit bois quoi. Oh, putain, voilà. Par contre, je sais pas quoi sert l'écorce. J'ai vu qu'on pouvait récolter de l'écorce. Si tu tapes avec une pioche sur un arbre, tu chopes de l'écorce. Je sais pas quoi ça sert. Bien servir à quelque chose, mais quoi. On va attendre que le jour se lève. Oh, alors, je vais mettre les courses en feu, peut-être. Je vois. Bon. Master lag. Faut que je me refasse une gourde en fait. Donc, il me faut les pots, il faut ça. Une gourde, une gourde, une gourde.
Voilà. Ensuite. Ensuite, c'est tout pour le moment. Pour le moment, on va stocker tout ça. Hein. Sans pierre. Des petits bouts de bois aussi, je vais stocker pour le moment. Et je vais aller chercher de quoi faire des bougies. Bon, le gros bug. Il y a que 3 viandes à faire cuire. En fait, là, si je laisse faire, je vais en avoir je sais pas combien de viandes. Il y a de sacrés bugs quand même. On a fait 5 alors qu'il n'y en a qu'une. C'est pas mal quand même. Voir si les corps se brûlent. Peut-être que ça peut faire du charbon de bois. Non, ça brûle pas. Bon. Eh bien, allons chercher. Comment ça s'appelle? Truc d'araignée et puis de l'eau au passage. Bête à plat, putain. C'est quand même étonnant que les hyènes se baladent au milieu des autres animaux et les autres animaux se font même pas attaquer. Putain, j'ai pris cher quand même. Il en reste au moins 3 à tuer là. Allez les PV, remontez plus vite. Ils ont déjà disparu les corps.
Il en reste une. Oh putain, il y en avait une autre. Putain, c'est pas vrai, il y a un coup sur deux qui passait, quoi. C'est manque de chance, quoi. Là, j'ai pas les ressources pour fabriquer un autre lit. C'est pas mal, ça. Ah si, c'est là. Là, il manque les fibres. Il manque les fibres. Ok. Ça va être la misère pour aller récupérer mon cadavre. Je suis une fougère, mais elle m'a quand même démasqué. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Ah si, il y en a une autre, putain. Ouais, je suis mort. Courage, fuyons. À la limite, je vais me fabriquer une pioche ou un truc comme ça pour pouvoir les taper, là, parce que sinon ça va être le bordel. Oh non, mais là, s'il y en a 3 en même temps, ouais, forcément. J'en ai vu une et finalement, il y en a 3. Et ça commence à être à sentir le
Comment dire? Ça commence à sentir le caca, quoi. J'arrive même plus à affronter des hyènes. Bon. Ne paniquons pas. Ah, ça sort combien de temps mon cadavre va rester? Faut que je puisse récupérer mon stuff. Hein. Ça, j'ai même plus de quoi fabriquer un lit, quoi. Et pour ça, il me faut des branches, et les branches, j'en ai pas. Quelques-unes. Je sais pas si j'avais posé les fibres. On recommence. Je crois qu'en fin de compte, le plus utile, je pense, ce serait d'en fabriquer deux ou trois d'avance. Voiture communiste. On va laisser régène tranquillou. Je vais y arriver à récupérer mon premier cadavre. J'aurais peut-être dû augmenter la force de frappe, quoi. Une, elle arrive. Je veux pas en affronter une autre tout de suite. Hein. Allez, PV, remonter. Parce qu'à la moitié. Il me semble bien d'avoir vu une à la barre. Toujours le cadavre.
Ouais, sorti nulle part l'autre là-bas en face. Ah, j'ai plus d'endurance. On est fermé. Non mais. Ah. Alors. Ah, du coup la gourde a... ah oui, non, la gourde a été déjà vide. On va embarquer un peu de viande et puis on va retenter d'aller là-bas. Ce gros bug quand même, c'est abusé. Je peux pas supprimer là tout ce qu'il y a dedans, c'est incroyable. Allez. Je vais faire plus simple, on va pas prendre de risques inutiles là. Il vient juste de récupérer mon stuff. On va faire le tour. Elle sort d'où elle? Ouais. Oh là là.
Alors, le problème c'est qu'il y a des PNJ là, et je sais pas s'il y en a 2 ou 3. S'il y en a 2 c'est faisable, s'il y en a 3 ça va être compliqué. Il y en a 3, il y en a même 4. Il y en a même 4. Mais là 4 c'est pas faisable. Je vais le contourner pour la flotte. Hein. Allez, les alligators! Ah, la forme, la pêche, la banane! Le problème, c'est que les araignées sans bouclier, ça va être compliqué ça. Oh putain, il y en a encore un. Poupée. Moi, le plaisir, je me rappelle pas trop où c'était, quoi. Je crois que c'était par là, mais je suis pas très sûr de moi. C'était plutôt par là, là. Ah, je suis allé un peu trop loin. Bon, je dois avoir de quoi crafter une lampe torche? Non. Il manque des fibres. C'est vrai que les cactus donnent que du bois, quoi. Ah, j'en crois gros un truc.
Les araignées, si je me souviens bien, c'est en face. Quoi, enfin, c'est en face. Il y en a là, quoi. Je sais pas qui c'est qui m'a dit que le feu ça éloignait les hyènes. Pas trop l'impression quoi. J'ai plus l'impression que ça la va attirer. Mais je peux te mettre le feu. Costaud le bestiau. Sinon, est-ce que j'ai de quoi fabriquer un bouclier en bois, même si ça va pas m'être très très utile? Non, j'ai pas de quoi le faire. Le bois, ça pose pas de problème, c'est plutôt pour les fils. Ah, c'est le jour a l'air de vouloir se lever. C'est ma lampe torche qui est... Pas ma lampe torche, ma torche qui éclaire comme ça, quoi. Il y a un truc devant moi, là, j'arrive pas à distinguer ce que c'est. Allez, il fait jour. On va essayer de crafter un bouclier. Le truc c'est que ce bouclier il va prendre deux cartouches et il va se voler en éclats. Mais bon, les deux cartouches qu'il va prendre, ça va peut-être me sauver la vie. Ensuite il faut 16 bois. Du bois.
ces lacs de croûte, merde. T'as bien le temps de prendre des dégâts, c'est bien sympa. Enfin, je pense que c'était par là les araignées. Je suis peut-être trompé. Ouais, il me semblerait que je me sois trompé. Bon, il fallait peut-être monter plus. Je me rappelle plus trop, quoi. Oh, c'est quoi ça? Ah, finalement, j'ai pas trouvé les araignées, mais j'aurais trouvé un truc tout aussi bien. Je vais lui faire. Ouais. Et les emmerdes. Dis donc, t'as cassé mon pantalon. J'ai pas de quoi le réparer. J'arrive pas à me sonner où. Il me semblait pourtant que c'était là. J'ai dû faire une erreur quelque part. Elle a cassé mon bouclier.
Bon, mais au moins j'aurais trouvé du matériel. Il y a du charbon. Je pourrais pas réparer mes fringues. Minimum quoi. Sinon je vais attraper un coup de soleil sur Zizi. I will feast upon you. Laissez-moi tranquille. Elle est pas passée loin celle-là. Mais sérieux, elle va crever, ouais. Neige. Bon, on en reparle normalement, je rentre vers chez moi, enfin plus ou moins quoi. C'est normal ça? J'étais absorbé par un animal qui marchait dans les airs. J'ai pas vu que j'allais me faire attaquer, quoi.
Vu que j'aurai atteint l'eau, normalement je serai tranquille. Il y a quand même un alligator qui me poursuit. Hein. Il y a une hyène dans l'eau. Vraiment, elle va falloir se noyer. Hein. Ah. On est presque à la maison. On va faire du bien. Du coup, on va ramener des pierres. C'est un joueur ou c'est un PNJ? C'est un PNJ ça. Je sais pas si c'est le serveur qu'il a ou quoi, mais. Qu'il y a des problèmes. Hein. On va ramener tout ça déjà. Puis on va viser pour voir ce qu'il faut pour faire le truc. Je sais même plus c'est quoi. Là. L'armor raid, enfin le workbench, hein. On va dire, on va appeler ça un workbench, hein. Pas le plus simple. Alors, j'ai 328 pierres, hein. Apparemment, le charbon dure plus longtemps que le bois. C'est une bonne chose. C'est toujours buggé ça. Donc, attends, ça je vais le poser là pour le moment. Et je vais regarder combien de bois il me faut pour faire la workbench. Alors, on va voir, il me faut 160 de bois et 50 pour. J'ai quasiment déjà 100 de bois. Les poux, normalement, je les ai.
normal, t'auras à peu près ce qu'il faut, quoi. Alors 162 bois, c'est bon. Quelques pierres, c'est bon. Et je crois qu'après c'est la ficelle qu'il faut. Ah non, merci pour tromper. Ah merci, 240 pierres. Ok. Du coup, là, je peux reposer les pierres ici. Et pour moi, c'est lourd. Les pots. On fout par là. C'est les 7. Sérieux, je peux pas le mettre parce qu'il y a le plafond. Pas sérieux ça. Bon, ben on va aller farmer de la pierre. Ça, je peux pas le mettre parce qu'il y a le plafond. C'est fou quand même. Donc en gros, il faudrait que je fasse deux hauteurs de mur. Ouais. C'est un peu. Un peu n'importe quoi. Peut-être que j'arrête le feu. Hein. Il va falloir crafter vachement de murs, refaire des plafonds. Oh, c'est le bordel. Que j'ai pas encore débloqué les murs avec fenêtres, quoi. Ouais, ça revient.
Derrière où j'entends un bonhomme à côté de moi quoi. Ah, y a un mec dans la grotte. Allez, putain, m'arrête de laguer le jeu. Bon, apparemment c'est trop lui demander en ce moment au jeu là de faire de ce que je lui demande. Apparemment il doit être en train d'affronter une grosse bébête dedans, mais moi je vais pas y rentrer parce que j'ai pas envie de subir la corruption. C'est donc vouloir dire que le mec il doit être plus level que moi quoi. J'ai pas trop intérêt à traîner là. S'il sort et qu'il vient m'attaquer, je peux pas trop trop me défendre. Il faut que je fasse un autre escalier là. On m'entend. Bon, je fais de ce côté. Ouais, je verrai ça. Une fois qu'il fera jour, parce que là, on voit plus grand chose. Quoi. Ouh putain, j'ai mort de soif. J'avais point vu. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre? La forge, ça coûte 3 points. Astron léger, ça coûte 2 points.
Je me demande si c'est mieux que l'épée hein, en termes de dégâts. J'imagine que oui. Quoique si je garde les points, peut-être que je pourrais faire des esclaves après. Oh, ça serait bien. Moi, je trouve que ce serait cool. Du coup, je pense que les escaliers qui sont là, je vais les démonter avec le bout de. En fait, je vais démonter. Les escaliers se bloquent, ils se bloquent. Les escaliers, je vais les mettre là, comme ça, qui montent. Je vais garder ce bloc, je l'enlève, je vais faire d'autres escaliers qui montent. Et il faudra que je démonte le feu, que je le change de place. Pour éteindre le feu. Après, je suis pas forcé de faire un grand étage partout, quoi. Je suis en train de me dire qu'en fait, il suffirait juste qu'il y ait une zone de la maison qui soit assez haute pour que je puisse poser là, tout ce qui est forge, tout ça. Donc, on va dire le coin qui est devant moi. Et tout le reste, je vais le laisser à la hauteur que c'est, quoi. Et au pire, plus tard, je pourrais toujours agrandir, améliorer, quoi. Ça, sinon, je suis pas prêt de la fermer, la maison. Bon, du coup, on va déjà démonter le morceau que je vais démonter. Là, je casse ma maison. Si, hein, si je voulais, non, ce bloc là, je voulais le garder par contre. Je suis là que je voulais démonter. Voilà. Donc, il me faudrait refaire des escaliers. Reste à espérer que j'arrive à les poser dans cette direction aussi. Hop. On va faire un autre paire ici. Et ce sera goudé.
Malgré que ce soit un gros arbre, il tombe en dodo. Aïe. Alors, il nous manque un escalier, ensuite il nous faut faire des murs et des plafonds. Quoi ce bordel dehors? Je vais m'absenter une petite minute là, je vais voir ce bordel là qui se passe là. J'arrive. Eh ben je sais pas c'était quoi. En tout cas c'était intriguant. Bon, est-ce que je vais arriver à le mettre à... Faut croire que non. Donc on va le stocker pour le moment. Avec le mur. Je pourrais faire un plafond pour pouvoir avancer, pour pouvoir poser les marches. Ok, maintenant, je vais choper les escaliers. Je vais arriver à les poser quand même. Ah, non. C'est pas là qu'ils sont censés se mettre. Ah, putain, c'est joué. Il va me faire devenir chèvre ce jeu quoi. Sérieusement quoi, mais sérieusement. Ils veulent pas se mettre à leur place. C'est une blague quoi.
Je veux qu'il démarre là et qu'il termine là-haut. Il n'y a pas moyen, quoi. Ah, par contre, j'ai pas arrêté le feu, là. Alors, est-ce qu'il faut un plancher supplémentaire là pour pouvoir pousser plus loin? Peut-être. Il faut que je change de direction, mais ça m'étonne, quoi. Bon. Salut. Mets un mur, un toit. Oh, c'est parce qu'il n'y a pas de toit que je peux pas mettre l'escalier. Ça m'étonne. Là, du coup, je vais perdre les trois, quoi. Putain. Ça se sent, je trouve que je l'ai. Ah, quoi que non, je peux peut-être arriver à les sauver ces deux-là. Là, je peux les monter celui-là. Je peux pas mettre l'escalier là. Il y a un truc qui veut pas. Il veut pas me le mettre. C'est un truc de ouf, quoi. Je sais pas pourquoi je veux pas le mettre sur ce bloc. Ce bloc-là, c'est impossible. Il me met en face, ouais, y a pas de soucis, mais là, non. J'y étais. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'avais. Punaise! Ça a été long et laborieux pour choper. Incroyable, mais vrai. Bon, à la base, je voulais faire l'escalier ici, quoi. Là, du coup, ça me fait pousser plus loin, ça me fait chier. Ça va me faire bouffer encore plus de ressources que prévu. Après. Bon, maintenant il faudrait que je vire le feu de là. Bon, pour refaire un feu, il faut 50 petits bouts de bois, je les ai pas. Alors c'est marrant, j'en ai 47. Ah si, c'est bon, j'ai les 50.
fait 50 petits bouts de bois et je sais plus qu'est-ce qu'il faut ensuite. Vas-y. Ouais, c'est cool. Du coup, il faut que je le mette là. Il devrait être bien ici. Alors... Ah, ça fait chier. Ah, je vais voir si je peux le poser. C'est quand même dingue que je puisse pas le poser là. Là, il veut pas là. Je peux même pas le poser sous un mur. Ah, voilà. Bon. Ok, ensuite, ensuite il me faut boire. Mais là, je vais restocker en attendant. Parce que le problème, c'est que là, je peux pas mettre de plafond. Enfin, là, je peux. Mais à partir de là, je peux pas en mettre. Je peux en mettre un ici. Mais un là, c'est pas possible, sinon je peux plus monter. Donc il va falloir refermer par-dessus, quoi. Oh, ce bordel. Quoique techniquement, personne ne peut... on peut pas monter... techniquement, les autres joueurs par l'extérieur peuvent pas atteindre le plafond, quoi. Ou qu'ils peuvent pas construire. Et là, par sauter de la falaise, je vois pas comment ils pourraient monter, quoi. C'est trop loin. Lui, il est bugué dans le mur. Hein. Non, je comprends pas. Bon alors, je vais aller en bas vu qu'il me prend la caisse et de toute façon il va falloir que je remplisse la gourde. Voilà en bas.
Oh. Téléportation. Il va falloir que je m'en aille d'ici avant d'aggro le bordel là-bas. Mais j'ai pas de bois. Là, je vais peut-être arrêter de ramasser de la pierre quand même, parce que je vais bientôt atteindre le pont où je pourrais plus marcher quoi. Pierres, ça commence à faire pas mal quoi. Je sais pas si j'en aurai besoin de 10 quand même. On va en faire 5 déjà. Donc en fait, si, ouais, j'aurais pu en faire une 10 de plus quoi. Mm-hmm.
Je vais poser ce qui manque en haut. Et là, il en manque un là, et après il fera du mur, quoi. Il faudrait, quoi, 1, 2, 4 murs et encore deux planchers. Ouais, et ben, on verra ça au prochain épisode, hein. Ouais, je pense qu'on aura déjà fait pas mal de trucs.